Encore un peu de blues cette semaine avec le morceau Outside Woman Blues, un truc super stylé que j'ai découvert en écoutant une version acoustique de Clapton que j'ai repiqué donc pour vous. Donc à la base c'est un morceau qui a été écrit et enregistré par Blind Joe Reynolds en 1929 et c'est le groupe Cream, le trio anglais avec Clapton, Jack Bruce et Ginger Baker qui a sorti ce morceau sur leur album d'Israel Gears, avec plein de couleurs dessus, en 1967. Je vous recommande cet album, hein. Vous trouverez aussi le super titre Strange Brew et puis surtout Sunshine of Your Love. Voilà, donc ce que je vous montre à l'acoustique, vous pourrez le jouer à l'électrique. Ça ressemble quasiment note pour note justement à la version enregistrée en 67. Voilà, si vous voulez consulter la version acoustique de Clapton, c'est là. Et puis si vous voulez écouter ce que je dis, c'est maintenant, c'est tout de suite. Alors j'ai découpé le morceau en 4 parties, les lettres ABCD. Voici donc la partie A. Vous placeriez votre main gauche sur un Mi 7 dièse 9, l'accord d'Hendrix là. Donc le Mi à vide, vous mettez le majeur en 7ème case de la corde de La, l'index en 6ème case de la corde de Ré, l'annulaire en 7ème case de la corde de Sol et petit doigt en 8ème case excentrée de la corde de Si. Donc le gros Mi, il sonne comme ça, il sonne un peu chelou cet accord, ce qui contient à la fois une tierce majeure ici et une tierce mineure. Et les deux notes ensemble, si on les joue en isolé, ça fait bizarre. Mais c'est une sonorité vraiment très spécifique au style blues rock. Voilà, donc vous suivez le petit schéma ici pour bien vérifier que tout est bon. Donc le petit mi, vous le bloquez, hein, voilà, le gros mi, vous le laissez sonner. Donc la partie A, ça commencerait comme ça. On fera deux fois le mi à vide. Attendez, j'essaie de trouver, voilà. Donc vous allez gratter deux fois le mi à vide. Vous grattez l'accord. Là, vous allez slider cet accord jusqu'à la deuxième case de la corde de La. Et sur cette note-là, on va trouver ce plan-là. Comment j'ai fait ça? Je suis en deuxième case là de la corde de La. Hammer on en quatrième case, suivi de la deuxième case de la corde de Ré. Et cette note là, on va pas garder la pression du doigt parce qu'on la veut piquer. Hammer on, pique, et après le même plan sur la corde d'à côté, le La à vide, hammer on deuxième case, et le Ré à vide, pareil, qu'on piquera en arrêtant soit avec les doigts de la main gauche, soit avec la paume de la main droite, genre donc. Pique, pique, moi j'arrête plutôt avec la main gauche. Encore ce plan-là, pique. Alors, bossez bien ça déjà. Ah. Ok, je vous prends avec le truc d'avant. Je gratte deux fois le mi à vide. Deux fois à vide. Je gratte, je conserve le poids des doigts. Et j'essaye de faire en sorte, à un moment donné, d'excentrer mon index pour qu'il puisse atterrir bien sur la deuxième case de la corde de La, notre note objectif. Encore. Voilà. Alors, vous pouvez choper la partoche hein, sur galagomusic.com. Vous verrez que dans la première mesure, après le slide, enfin, après le Mi 7, dièse 9, j'ai mis deux petites dead notes comme ça, c'est-à-dire que vous êtes en train de slider vers la fin, il n'y a plus vraiment de son et c'est l'endroit où vous pouvez placer un petit aller-retour, pas forcément sur toutes les cordes mais sur une corde ou deux. On entend Clapton le faire, c'est vrai que ça fait assez sympathique, c'est discret, mais si c'est pas là, ça manque un peu, donc ça donnerait exactement, pour ressembler à la version Clapton, à la version acoustique. Les dead notes, je vise pas forcément une corde ou deux, je peux en choper qu'une quand je peux en choper deux, voire trois, mais pas tout, ça ferait trop fort. Donc voilà.
Voilà, ça c'est la partie A qui reviendra très souvent. La partie suivante, ce sera un riff qui va se situer comme ça. Donc c'est pas encore la partie B, c'est vraiment la partie riff. Ça va donner ça. Et c'est trop stylé, genre. Encore ça, je m'en rapproche un peu. Mi à vide. Je vais slider depuis genre, je sais pas, la troisième case. Et je vais atterrir jusqu'en septième case de la corde de là. Et une fois que je suis là, je place l'index corde de ré à la cinquième case. À ce moment-là, le pouce va venir bloquer le gros mi pour pas qu'il y ait des sons parasites. Même si on est sur un accord de mi, on veut un truc propre. Je vous refais ça encore. Je slide dans 7, 5, 7 de la corde de ré, un bend. Donc, comme vous voulez, soit vous le tirez vers vous, soit vous le descendez vers le plancher. Mais il nous faut donc la note bendée. Vous arrêtez brièvement avec la paume de main droite. Quand vous êtes en l'air du bend, après on redescend la corde, on retape 7, normal, et 5, 7. Donc. Ensuite, 5, 7. Encore ça. Faire comme tout à l'heure pour l'accord, on slide. Sur la fin du slide, je relâche la pression du doigt à la main gauche et j'essaye de balancer deux petites dead notes. Donc. Et on retrouve la fin du plan A. Donc je vous fais tout le riff, riff 1 parce qu'il y en a deux en fait dans le morceau. Et on reprendrait la partie A. Donc je vous fais le A et le riff d'affilée. Riff. Ah. Et on reprend le A, voilà. Ensuite donc la partie B, on va se retrouver avec un accord de 6 septième. Alors 6 septième en formule fastoche, c'est-à-dire on ne met pas le petit doigt au bout. Là, donc vous faites majeur en deuxième case du La, index en première case du Ré. Et annulaire en deuxième case de la corde de sol. Le gros mi est bloqué par le bout du majeur ou par le pouce. Et on va faire ça rythmiquement. Donc. Ah, c'est plutôt fastoche le B. Donc, basse, basse, bas, bas, haut, basse, basse, bas, bas, haut, troisième fois, quatrième fois, fin du B, je vous le refais encore. Dès que vous avez fait le B, vous reprendrez le riff. Donc je vous fais le B et le retour du riff. Ok, je vous fais le A, le riff, le B, re-riff. A. Pas trop vite. Vous trouverez la structure hein, sur la partoche, tout est indiqué. La partie C, on va se retrouver à nouveau sur un Mi 7 dièse 9. Je vous fais cette partie C, suivie du riff numéro 2. Ah, c'est balèze, hein. Alors donc, vous attaquez le C en vous plaçant donc en Mi 7 dièse 9. Et vous allez faire... Basse, basse, ta. Basse, basse, bas, haut, bas. Suivi de deux. Enfin, on fait le coup du slide et on essaye de placer encore une fois les deux allers-retours mutés. Donc, basse, basse, bas, haut, bas. Tac. Encore. Basse, basse, bas, haut, bas. Tac, tac. Riker. Basse, basse, bas, haut, bas. Tac, tac. Suivi de. Juste un petit bout du plan de la formule de la partie A, genre basse, basse, bas,
et on refait. Ok, donc ça c'est les deux premières mesures du C, je vous les refais d'affilée. Deuxième fois. Et là, riff numéro 2. Donc en fait c'est le même riff que tout à l'heure, mais ça va sonner une octave au-dessus. Donc pour ce faire, oh là là, vous grattez le Mi à vide. Avec le majeur, vous allez partir par exemple de la cinquième case de la corde de Sol. Enfin, peu importe d'où vous partez, ce qui compte, c'est que vous atterrissiez bien en neuvième case de la corde de Sol. Donc le riff en question, le Mi à vide, donc riff numéro 2. Ensuite 8 avec l'index sur la corde de Si. 10 de la corde de Si, bend en 10. Vous arrêtez bien le son avec la paume de la main droite quand vous êtes arrivé à la hauteur que vous souhaitez. Donc là c'est pareil, hein, vous grattez le Mi, vous balancez ça, et pendant que l'index arrive, le pouce se pose délicatement sur le Mi pour le bloquer. Je vous le refais. Mi à vide, 9 de Sol, 8 de Si, 10 de Si, je bend, j'arrête en l'air, je fais réentendre la note 10, et j'enchaîne rapidement 8 du Si avec le 9 du Sol. Suivi de 8e case avec un tout petit bend d'un quart de ton et réatterri sur 9 du Sol. Donc tout le riff 2 avec la petite fin qui suit. Suivi ensuite de le petit slide et puis. Donc je vous fais le riff 1 et le riff 2 d'affilée. Riff 1. Et à vitesse normale, donc normalement on n'enchaîne pas les deux riffs comme ça, c'est juste pour vous montrer la bonne vitesse. Riff 2. C'est trop stylé, j'adore! Alors la partie D, et puis après je vous montre le découpage dans quel ordre on joue tout ça et tout. Bien. Donc la partie D, je vous la joue une fois, vous allez voir, c'est coton surtout sur la fin. Alors. C'est terrible, non? Alors la partie D, vous vous placez en 6/7e, on va faire quasiment la même chose que dans la partie B, vous pourriez faire exactement le même rythme hein, à la limite. Donc on va faire comme ça, une mesure de 6/7, basse, basse, bas, bas, haut, basse, basse, bas, bas, haut. Ensuite on va rajouter le petit doigt en 3e case de la corde de Si, d'essayer de bien bloquer le petit Mi, pour qu'il devienne 6/7 dièse 9. C'est le même accord qu'on avait tout à l'heure en 7e case, mais là ce coup-ci, on le commence avec le majeur en 2e case. Donc la deuxième mesure du D donnera. Bas, là, donc basse Si. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas. Basse. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas. Un peu plus vite. Et vous pouvez, aux endroits où il y a des accents, marquer davantage. Action. Donc je dis fort pour quand il y a les accents. Fort, fort, fort. Donc il y a un accent vers le bas, ensuite un vers le haut, et ensuite un vers le bas à nouveau. Bas, haut, bas. Voilà, et sur les deux derniers, vous pouvez faire de la pression des doigts. Bien marquer le truc. Et on arrive sur le plan de la fin qui va faire ça. Donc là j'ai fait quoi? J'ai rejoué mon annulaire où il était en deuxième case du Sol, je gratte mon Si à vide, et je slide de 2 à 4 sur la corde de Sol, de manière à avoir... Ok, et ensuite, vous allez placer le majeur en troisième case de la corde de Si, pour avoir ce son là dans les 3 notes aiguës, donc on ferait comme ça. Ensuite, haut, bas, haut, bas, bas, haut. Ah ah! Encore. Et avec l'annulaire, là, j'essaye de bloquer quand même la corde de Ré, de manière à ce que si je gratte à côté, ça fasse pas non plus trop de sonorités parasites. Donc,
La deuxième mesure du D, avec le truc des accents là. Fort, fort, fort. Et ensuite. Haut, bas, bas, haut. Et là, on va regratter la corde de Si. On va slider le majeur de troisième case à cinquième case sur la corde de Si, donc oui. Après, on redescendra en 3. Là, on réutilisera l'annulaire pour faire un plan qui va de la quatrième case de la corde de Sol à la deuxième. Et puis ensuite, pull off. Et la note mi, deuxième case de la corde de Ré. Donc du coup, je reprends depuis la deuxième mesure du D. Fort, fort, fort. 1. Encore. 1. Et là, on rattrapera après le riff numéro 1. Ok, on a tout, il y aurait juste deux petites mesures pour la fin, et ce sera bon. J'essaie de vous le montrer dans l'ordre. Alors, structure du morceau. Au début, on va avoir 4 fois le A, sans rien, juste la guitare. Après on va attaquer le A deux fois, ce sera toujours ça quand il commence à chanter. Donc le A deux fois de suite, on dit qu'on a passé les 4 premiers A où il n'y a que la guitare. If you lose your mind. Deuxième fois. Le riff 1. Ensuite re A deux fois. Le riff 1 à nouveau. Ensuite, on attaque le B. Et le riff 1. On retrouvera le A deux fois encore. Le riff 1 toujours. Le A deux fois encore. C'est long, hein. Jouer ce tempo-là, c'est long. Et là on va avoir un B prime, c'est-à-dire qu'il va durer plus longtemps que le B. On rajoute une mesure, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le riff 1. Et c'est là qu'on attaque le C. Sur le mi-7, là, vous pouvez vraiment frissonner des doigts comme ça. Vous tirez dessus, puis vous laissez le poids des cordes revenir, les faire revenir à leur place. Ça donnera un petit effet de vibrato sympathique. Donc la partie C. Le riff 2. On refait la partie C. Le riff 2. Un B qui est long, donc 6 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, un mi à vide, et là il va chantonner, et là il va balancer un plan trop stylé sur la fin qui va donner ça. Oh, j'adore. Donc là il va slider de 7 à 9 sur la corde de Sol. Il fait durer un peu la note 9, là. Après, il va slider de 9 à 7, deux cases à gauche. Après 5. Après 7, de la corde de La. Excusez-moi, il y a l'élève qui est là. Donc, je termine vite, vite. Après, cinquième case de la corde de Ré, de 5 à 6, hammer on. Ensuite, 7 de la corde de La. 7 du gros mi. 5 du La. 7. Mi à vide. Puis, on entend à la fin un petit mi.
si. Une petite corde aiguë comme ça. Je vous fais juste le plan de fin. Voilà. Écoutez, j'espère que ça allait, que c'était pas trop compliqué, que je me suis pas trop emmêlé les pinceaux. Vous avez la partoche de toute façon. Donc amusez-vous bien avec ce morceau. Que vive le blues! À la prochaine, bonne musique. À bientôt, ciao.